un rêve, ça, une médaille olympique, quand on a 18 ans. Oui, c'est sûr que mon premier rêve, c'était une médaille de champion du monde. Donc celle-là, je l'ai eue, mais champion olympique, c'est sûr que là, c'est quelque chose d'extraordinaire encore. Il y a 4 ans, à Athènes, Julien Absalon touchait du doigt son rêve d'adolescent. Premier jeu, première médaille d'or. Et dès cet instant, homme de challenge, on devine déjà le regard tourné vers l'Olympiade suivante. Pékin, une autre couronne. Sans mesurer à quel point tout est différent la deuxième fois. Dans l'histoire du sport français, ils ne sont que 8 à avoir réussi à conserver leur titre olympique. En 2004, j'étais quand même encore jeune, j'avais tout juste 24 ans. Pas une grande expérience internationale, aucune expérience olympique. Donc cette année, après 4 ans de course à haut niveau, j'ai beaucoup appris. Et surtout, j'ai l'expérience d'Athènes qui va m'aider. Tout est différent. Et ceux qui abordent les Jeux de la même façon qu'une compétition comme une Coupe du Monde ou un Championnat du Monde, eux, ils vous disent « c'est une compétition comme une autre ». Moi, je n'ai pas vécu ça comme ça. Je vivais vraiment les Jeux à part. J'ai senti une pression différente, vraiment. Autant la première fois, c'était pour conquérir quelque chose d'inédit pour moi. La deuxième fois, c'était plus de défendre quelque chose. Et pourtant, je savais que la meilleure stratégie, ce n'était pas de trop vouloir conserver. C'était quand même de se remettre un peu dans la peau de quelqu'un qui devait décrocher quelque chose d'inattendu, enfin d'inédit, dans le sens où dans mon sport, jamais aucun Français n'avait réussi à conserver un titre olympique. À bientôt 28 ans, il est devenu l'ambassadeur du cross-country, que pratiquent plus de 4 millions de personnes en France. Statut qui change fatalement l'approche de ses deuxièmes Jeux olympiques, où il partira favori. Sponsor, encadrement technique, proches, famille, adversaires, il se sait attendu de tous. Il a changé en 4 ans ? Non, je pense pas, ça reste le même, toujours simple, humble, et puis toujours grosse motivation à fond dans la compétition et grosse envie de gagner. Et on se voit une fois l'an, mais pour du bon. Hein. Encore, hein. Merci encore pour tout ça. Depuis son premier or olympique, Raon Aubois fête invariablement chaque fin d'été le retour dans les Vosges de son Julien. Ce jour de septembre 2007, il ramène d'Écosse un quatrième titre consécutif de champion du monde. Le palmarès est éloquent. L'homme, lui, est tel qu'on l'a toujours connu. Ni frasque, ni excentricité dans sa vie personnelle, mais une extrême exigence dans l'approche de son sport. Avec un cœur qui continue de battre à 32 pulsations minutes au repos. Et toujours la même économie de mots sur ses sentiments, au risque peut-être de nuire à son aura médiatique. Je ne vais pas m'inventer une personnalité pour... je suis ce que je suis et puis je me donne pas une fausse image. Je préfère me concentrer sur ma préparation et faire le maximum et puis essayer de revenir avec le meilleur résultat possible et ensuite être disponible entièrement pour les médias plutôt que de le faire maintenant. C'est sûr que ça serait plus facile de le faire maintenant. Mais de me planter au jeu, et puis après, ben là, il n'y a plus rien, parce que je suis conscient que je suis intéressant, entre guillemets, maintenant, mais que le soir des Jeux, si jamais je ne ramène pas de médaille, je ne serai plus du tout intéressant pour personne.